Bonjour à vous, je suis Danfield. Aujourd'hui, on va découvrir Cache Stronaut, qui est un jeu dans lequel vous allez contrôler un petit vaisseau. Vous allez détruire des astéroïdes, des ennemis, récolter des ressources, de l'argent pour pouvoir monter de level et aller le plus loin possible. Il y a des éléments du roguelike, donc votre vaisseau a uniquement 2 points de vie. Si vous prenez 2 points de dégâts, vous êtes mort et vous recommencez de zéro. La seule façon de reprendre des vies est donc de monter de level. Donc vous avez, par contre, quand vous revenez, une petite barre de progression qui se remplit avec l'argent que vous avez ramassé. Si vous avez suffisamment ramassé d'argent pour remplir la barre, vous avez quelques bonus. Le jeu va sortir le 12 août, il n'est pas encore disponible, je n'ai pas encore le prix à vous donner, je vais me renseigner auprès du développeur. Et également, sachez que le jeu est uniquement en anglais, mais le développeur, qui est un Canadien qui parle français, m'a dit qu'il va éventuellement mettre le français sur le jeu. Alors, on est parti. Donc là, on arrive, on choisit notre petit vaisseau. Alors que je ne me trompe pas de touche. Voilà, et parce que je suis en QWERTY. Et donc voilà, là on a notre vaisseau, vous voyez que c'est en Early Access, et là on commence. Et alors vous pouvez voir qu'on a déjà quelques augmentations, donc je peux activer ces augmentations qui vont donc augmenter le nombre de risques. Chacune est un risque en général, et ça augmente l'argent que l'on va gagner. Plus on prend de risques, plus c'est dur, et plus vous allez avoir des ennemis agressifs, mais en échange, vous allez gagner l'argent plus rapidement. Voilà, donc là on va commencer sans les risques, on en a 3 de débloqués. Normalement dans la partie là on va en débloquer un quatrième, comme ça on pourra le voir. Donc le premier est Murders and Execution, qui est en fait un risque qui fait que vous voyez ces ennemis qui vont apparaître dans la base vont faire tomber des dents qui vont se vendre très cher et donc me permettre d'avancer plus vite. On a la contrebande qui va nous permettre d'avoir des nouveaux minerais sur les astéroïdes mais qui sont illégales. Donc je vais devoir faire gaffe aux gardes quand je m'en transporte. Et là on a les dégâts collatéraux qui en fait nous permettent de tuer des citoyens qui eux vont avoir pas mal d'argent ou même des augmentations sur eux. Voilà, donc là on commence avec rien, on va faire une petite partie, après on va activer les choses pour pouvoir vous montrer un endroit un peu plus, avec plus de choses, hein, pour que vous voyez la différence. Alors, on arrive ici, on a des bâtiments, on est dans une base, là on est dans un endroit non agressif, on a la barre de progression en haut, là les petits gars bleus ce sont des rhinocéros, leur nom ou un truc comme ça, et en fait ce sont des gardes qui patrouillent notre base. Là on a un endroit où on peut vendre des minerais, on va descendre un peu, là on va voir un endroit, là on va pouvoir vendre les dents d'ennemis qui vont nous donner en fait de l'argent, c'est en fait comme un butin, hein. On le ramène et ils nous payent pour ça. Là on peut acheter du carburant, vous voyez le carburant est listé là, on en a 44 sur 50, on les achète pour 2000 et on les récupère 20 par 20. Même chose les munitions, vous voyez, et là on est toujours dans la zone sécurisée, mais vous pouvez voir que déjà j'ai un petit astéroïde dedans, et donc je vais ramasser, hop, ces fameuses choses, et là vous pouvez voir j'ai un peu d'argent, et on a, hop, une petite caisse qui va faire tomber plein d'argent, donc là vraiment on se gave, ne pas hésiter, vous voyez là je suis monté de level, et donc je suis passé level 2, si j'avais pris des dégâts, j'aurais récupéré des vies. Donc on a que 2 points de vie, hein, comme je vous ai dit. Donc maintenant qu'on a l'inventaire plein ici, on va aller venir vendre le minerai. C'est que du minerai, vous voyez, clic droit, hop, 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 on le vend, notre argent monte, et on continue. Donc on va se balader, et là, vous voyez, c'est la zone qui est protégée, là où les ennemis ne peuvent pas rentrer, enfin, certains ennemis ne peuvent pas rentrer. Donc là, une fois que je sors d'ici, ça devient plus dangereux. Donc on continue. Pour le moment, je n'ai pas d'augmentation, donc je vais devoir me contenter des augmentations basiques. Enfin des trésors basiques, vous verrez que dans la partie suivante ça va pas mal changer. Alors vous voyez chaque munition utilise un point de... vous voyez j'aurais plus que 28 balles là actuellement. Alors on y va. Donc oui c'est le carburant, vous voyez là je suis à 19, hop j'achète un peu de carburant. On vient vendre et on continue. Donc quand vous allez monter votre vaisseau de level, vous allez gagner plus de place pour le carburant ou d'autres ressources en particulier. Alors là, vous voyez, les ennemis sont vraiment pas agressifs. Hein. J'ai toujours pas été attaqué. C'est pas grave, c'est normal. Hop. Ah, là, il y en a. Alors, hop, là, on va les tuer. On va en tuer un. Vous allez voir. On l'a tué. Il fait tomber que de l'argent. Vous allez voir que avec les bonnes augmentations, ça a très vite changé. Alors, on vend. On a besoin maintenant d'un petit peu de carburant. Hop, on l'achète. On a besoin d'un peu de munitions. Et maintenant, on va aller vers le haut. Ben, non, tant pis pour lui. Ah voilà, ça c'est parfait, ça donne vraiment plein d'argent, ça il faut jamais les rater, moi je prends même le risque de mourir en général quand j'en vois un entouré d'ennemis, vous allez voir éventuellement quand vous allez les détruire, les ennemis vont apparaître à côté, systématiquement, c'est tellement bon que voilà, alors, on va s'éloigner, on continue. Voilà. Alors je vais me laisser tuer pour pouvoir maintenant vous montrer une partie, hop. Bon, je vais essayer de me faire toucher. Voilà. Donc là, vous voyez, 2 balles, je suis mort. Et donc, je reviens. Et maintenant, on va passer, vous voyez, hop, la barre de progression est
complète et on a débloqué un nouveau risque. Le prochain level va me demander 250 millions. Ok. Donc maintenant on a débloqué celui-ci qui va nous permettre, alors je regarde, donc les améliorations de moteur, donc de réacteur et d'armes vont maintenant tomber des ruines des citoyens et des tricératops, donc les vaisseaux bleus hein, qui sont en fait les policiers. D'accord. Donc, alors maintenant on va tout activer. Donc 4 risques, 65 de bonus, 2 revenus. Et on est parti. Donc pour le moment on va pas embêter les gens. On va plutôt chercher. Alors voilà, lui, voilà, parfait, regardez. Lui, il est à l'extérieur, je le ramasse. Donc maintenant, je l'ai tué, je suis monté directement de level. Par contre, regardez en bas à droite. Vous pouvez voir que directement, maintenant, les flics vont le chercher pendant un certain temps. Alors, il va falloir faire gaffe et les surveiller. Pour ne pas qu'ils nous. Pour pas qu'ils nous attaquent. Une fois que ça va disparaître, ça va être bon. Alors, on continue à ramasser de l'argent. Vous voyez maintenant, les astéroïdes là ont un nouveau type de ressources. Alors, le rouge. Donc, je vais vous montrer la différence. Je vais en prendre un bleu et un rouge. Vous voyez maintenant que là, ça ne clignote même plus. Ouah, ok, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, là, je suis rouge et je vais essayer de tuer le flic. Vous voyez, il est plus dur quand même. Si je le tue, ça va pas rigoler pour moi. Ah, ok, j'ai pas... D'accord, c'était la première fois que je tentais de tuer un policier. C'est pas grave. Vous voyez, c'est un roguelike, donc on continue. Et on va essayer de continuer. Cette fois-ci, je vais améliorer mon vaisseau plus rapidement. Ok, alors, hop. Donc là, on ramasse les rouges. On va essayer d'y aller une fois qu'on a les sacs pleins pour que ça vaille le coup. Hop. Donc on va voir la différence entre la contrebande et le minerai légal. Alors. Oups. On va tuer celui-là. Voilà. Ok, on a une augmentation. Alors le problème c'est que vous voyez là je peux pas choper l'augmentation, j'ai pas de place. On va essayer d'y aller. Et partir très vite. Où est-ce qu'il est? Il est là. Attention, on vend. Donc, ah vu que j'ai pas pu vous montrer les prix du coup. Pas grave. Là, il m'a chopé en train de vendre, mais il m'a lâché et on va ramasser l'augmentation. Ouh, attention, un ennemi. Alors, on va essayer de le tuer, lui. Vous voyez, il a fait tomber des dents. Donc ça, c'est parfait. Les dents vont bien se vendre. On va choper, voir si eux, ils n'ont pas d'autres augmentations. S'il y en a une. Voilà. Donc là, on a 2 augmentations de moteur, je pense. Ok, on s'en va. Là, je suis en rouge. Là, ils m'en veulent. Vous voyez, le flic m'attend. Je vais pas pouvoir y aller tout de suite. On va ramasser. Hop. Ouh, attention. Parfait, plein d'argent. Là, ils peuvent les ramasser également, l'argent. Hein. Faut faire attention. Ah, là, ils apparaissent pas encore. Bientôt, quand je vais être suffisamment haut en level, ils vont apparaître dès que je vais détruire. Alors, ok, est-ce qu'ils m'ont un peu lâché les flics là-haut? Ok. Ok, on a vendu ça. Ok, ils ne nous en veulent plus. Donc maintenant qu'on a des dents, on va pouvoir les vendre donc ici au magasin de chat. Oh attention, j'ai plus de carburant, j'avais plus vu. Donc on va se déplacer vite et on va en racheter avant qu'on tombe complètement en panne. Vous voyez, on va très lentement. Donc j'ai 315 000, je vais acheter au moins 2, hop, parfait, et on va récupérer des balles, 2 également. Voilà, j'espère que ça m'a coûté un peu d'argent, mais bon, pas grave. Alors, voilà, donc là le but, les chasseurs, hop, 33 000, vous voyez, par dent, donc ça fait 66 000 par gars, ça monte très très vite, et donc là on va essayer d'augmenter notre vaisseau, donc on se met là, et nous disent d'appuyer Shift pour installer, donc ça nous coûtait 49 000, et là on vient d'installer quelque chose, vous voyez, qui fait que notre réservoir de carburant est passé de 50 à 100. On va installer le deuxième. Ça n'a pas l'air d'avoir fait grand chier. Ah oui, si, vous voyez, ça a monté un petit peu de level, le level 2, mais il m'en faut un deuxième pour passer le level 3. D'accord. Alors, du coup, on va acheter un peu plus de carburant. Et on est parti à la chasse. Donc, on est level 3, on va bientôt monter level 4. Ah, parfait, ça, j'adore. J'ai même l'impression que je vais plus vite là, je suis pas complètement sûr, mais je crois que je vais plus vite. Et ah, on a du rouge par là. Ah, ok, alors on va essayer de les tuer, il y en a 3, ça va être délicat. Ouh, j'avais... Non ! En plus, il a fait tomber 3. D'accord. Donc là, on a gagné, vous voyez, un petit peu plus d'argent, on s'approche donc du prochain level. C'est pas facile, hein, le jeu est assez dur. Et on recommence, et on fait une dernière partie. Alors...
Du coup, la première chose que j'aime bien faire, c'est choper les citoyens, de les tuer pour avoir quelques augmentations. Alors, ils vont souvent vers le côté gauche, j'aime bien aller là-bas. Donc plus vous montez de risque, au niveau de risque, plus chaque pièce va vous donner de l'argent également. Donc ça vous permet de progresser plus vite. Alors je ne vois pas de civil. Alors, on va déposer ça rapidos. Ouh, ça va. Ok, on a réussi à vendre avant qu'il nous attaque. On est bon, par contre j'avais vu ici, hop, on a remonté le level, on est maintenant niveau 3, le risque dans la zone augmente, les ennemis vont être plus agressifs parce qu'on est pété d'argent, donc ils veulent notre argent, hein. Ce sont des aliens, ils n'en veulent pas notre race, ils veulent juste notre pognon. Alors, hop. Alors là je vais essayer de vous montrer effectivement la différence entre les deux prix, du bleu et du rouge. J'ai pas pu faire tout à l'heure. Alors 2400 pour le bleu et 24000 pour le rouge. Ah, attention, bientôt plus de carburant. Hop, on l'achète. Pas beaucoup d'ennemis. Pas beaucoup de civils dans le coin, j'aime pas les attaquer dans la zone bien entendu car il y a tous les gardes. Alors on va en suivre un qui essaye de partir. Alors vous partez vers où? Toi peut-être? Ah lui. Voilà, parfait. Hop, alors quelques augmentations. Une. D'accord. Hop, on ramasse les dents et on s'est fait toucher une fois. Donc là, on va rentrer. On va attendre peut-être un petit peu que ça se calme. Parce que si jamais je me fais toucher une fois, là, je meurs. Et il faut absolument donc que je monte de level pour pouvoir récupérer des vies avant que ce soit trop tard. Donc là, j'attends que tout se calme. Ils m'en veulent encore. C'est bon, là, je peux rentrer. Ok. Alors, on va vendre les dents déjà. Hop, on est monté de level, on a récupéré nos vies. Je vais pouvoir installer l'augmentation. Voilà, donc maintenant vous voyez, on peut arriver à 100 à nouveau de carburant. Vous voyez que l'icône est complètement gris, donc il nous faut, comme tout à l'heure, un pour arriver à la moitié, une augmentation, une deuxième pour passer au niveau 3. Ok, alors, on est reparti. Il y avait l'air d'avoir un peu d'action par là et beaucoup de gars qui se baladent. Ouh, attention. Alors, également, une... Ouah, non. Une chose qui est cool, si jamais les aliens tuent les civils, eh bien vous gagnez quand même le loot, hein, donc vous pouvez sans avoir la menace en fait de l'avoir tué vous-même. Donc là, on a gagné un nouveau level, on a gagné Boom, Bust et Echo, qui nous permet de faire quoi? Donc les caisses font tomber plus de loot. Les raptors et les vermines commence à utiliser les caisses comme un appât. Donc voilà, donc on va finir sur cette partie. Donc vous voyez, ce sont des parties très rapides, vous allez en faire beaucoup, vous allez mourir et vous allez recommencer. Ça fait partie de l'intérêt, mais moi je vais être franc, j'aime bien le jeu, c'est très facile à jouer, enfin très plaisant, et vous pouvez enchaîner les parties très rapidement et vous pouvez revenir quand vous vous ennuyez un petit peu, vous faites une petite partie et vous vous décontractez. Et voilà, enfin, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve pas mal. Le jeu n'est pas prise de tête ni rien, donc voilà. Si vous êtes intéressé, je vous invite à le suivre, vous n'y perdrez pas grand chose. Et voilà, donc on a fini cette petite présentation. Je vous invite à regarder la description de la vidéo et je vous dis à bientôt sur un autre jeu. Bye bye.